who you are. No place for patience, no need to press restart. It's hardly news to you, I've seen you played your cards. You should have mentioned me instead of leaving me. Voici deux des quatre équipes du dernier carré de la Coupe d'Espagne. Et elles vont tout faire, hein, bien évidemment, pour décrocher leur billet pour la finale. Qui va se qualifier? L'Estadio de la Ceramica va certainement vivre des moments très forts. Salut, bienvenue à l'Estadio de la Ceramica. Nous sommes tout près de Valence. Il pleut, vous voyez, les conditions sont assez décevantes. Pour vous commenter ce match, Hervé Matou, c'est moi, Pierre Ménès, c'est toi, salut Pierre. La finale, tous les joueurs en rêvent. Eh bien, la moitié seulement pourront la disputer à l'issue de cette demi-finale retour. Villarreal contre le FC Barcelone. Oui, le Barcelone qui s'est incliné au match aller. Rien n'est joué encore. Cette équipe peut parfaitement retourner la situation. On sait qu'elle en a les moyens. Je vous laisse découvrir la composition de cette équipe de Villarreal. Une équipe qui va jouer en 4-4-2, un 4-4-2 assez conventionnel finalement. Ouais, avec deux joueurs de côté, façon Milan de Sacchi, pour combiner éventuellement avec les attaquants. Voici la composition du FC Barcelone. Le schéma tactique de l'équipe, mise en place d'un 4-5-1. Un message clair, étouffer le jeu de l'adversaire dès qu'ils essaient de passer à la ligne médiane. On est dans le dernier carré de cette Coupe d'Espagne, Pierre. Oui, avec des affrontements de haut niveau. À quoi ça sert? Allez, il peut y aller. Ah, ça m'a l'air d'être musculaire. Baleine. Ter Stegen, attention, l'action qui se poursuit. Et cette équipe qui, avec ce but, prend l'avantage sur l'ensemble des deux matchs, Pierre. Ouais, elle peut même se payer le luxe d'encaisser encore un autre but. Ce but vient récompenser le gros pressing mis en place par cette équipe. Et à force d'être sous pression, l'adversaire a tout simplement fini par craquer. Good job. C'est Barcelone qui perd ce ballon.
Parmi les joueurs à suivre, il y aura Raoul Albiol. On va donc raccrocher les crampons à la fin de la saison, c'est désormais. L'arbitre qui arrête le match. Il a vu qu'il y avait un blessé. Il a fait signe qu'il voulait sortir, qu'il devait sortir. Ouais. Espérons que cette blessure ne va pas trop l'éloigner longtemps des terrains. Ça serait une balle à terre. Ouais, bah là, le joueur blessé ne peut plus continuer. Ah, il s'est arrêté net. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est un bon ballon récupéré. Il a lu le jeu. Un ballon perdu par le Barça. Voilà, passe complètement manquée. C'est cadeau. À quoi ça sert? Ah, il aurait dû. Retarder son appel. La porte. Ah, il se tire le muscle. C'est une blessure. Un ballon bien récupéré par les jaunes. Ah, la passe en profondeur, attention. Ah, ça passe loin, très loin du cadre. La passe est interceptée, le ballon est perdu. Oh, le numéro qu'il nous fait, et ça va être dangereux. Il va y aller. Ouais, le bel arrêt là du gardien, mais ça peut revenir. Il est bien là, le légendaire Léo Messi. Il aurait laissé entendre à son entourage que cette saison serait sa dernière. C'est du moins ce que nous rapporte une source bien informée. La question, c'est de savoir si c'est dernière saison au club ou dernière saison en tout court. Ben, je ne sais pas, ça arrivera bien un jour. Ce sera à lui de choisir le moment. En tout cas, on peut toujours profiter pour saluer le joueur qui est devenu. Et quand il sera plus là, il laissera un grand vide, ça c'est sûr. Ils vont pouvoir jouer la touche. Ouais, il s'est blessé. D'après le geste, ça ressemble à une élongation. Ouais, ça, c'est très bien défendu. Ah, c'est superbe. L'adversaire est cloué sur place. On cherche la faille dans la défense adverse. Baleine. Cosas que me salen sin permiso.
A las 11 de la noche, mi cuerpo pide alma y busco en tu espíritu mi mismo. No está claro todo lo que siento, hay cosas que me salen sin permiso. A las 11 de la noche, mi cuerpo pide alma y busco en tu espíritu mi mismo. No es mi culpa. Bonjour à tous, nous sommes en Espagne aujourd'hui, plus exactement en Catalogne, à Barcelone. Et ce moment, je vais le vivre en compagnie de Pierre Ménès, bien sûr, à la place au championnat espagnol aujourd'hui, avec une rencontre de la Liga Santander. Le spectacle devrait être à la hauteur, a priori, Pierre. Les deux entraîneurs ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui, de l'engagement, de la concentration pendant 90 minutes. L'enjeu, c'est évidemment les 3 points, point barre. Voici la composition du FC Barcelone. Tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Et on mise visiblement sur un gros maillage du milieu de terrain pour canaliser les offensives de l'adversaire. Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Il reste au sol. Peut-être une élongation.
Good love, boy, you got me caught in this good love. I really believe that
senza portarlo noi stavo sempre in mezzo ai guai. So che non sono solo, qualcuno là fuori capisce bene quello che intendo, se no non ci siamo. Dice di no, allora vorrei sapere tu che fai. Non sopporto la gente che si dice sempre mai. So che non sono solo, qualcuno là fuori capisce bene quello che intendo, se no non ci siamo. Dice di no, allora vorrei sapere tu che fai. Ma cosa fate oggi? Io mi annoio, io mi finisco tutta la serie, oppure dormo, oppure vedo qualcuno che appoggi sto mio sogno, oppure torno a sognare da solo, mi sveglio male la mattina, yeah. Non voglio vedere paura, e quindi ra, ra, e quindi la ra, ra, ra. E ti mando due kiss, ti mando due kiss, io mando due kiss, ma rispondi please, perché te la tiri dai fatti. Sta sulla luna, non fate i bambini, non fate i carini. Se voi siete squali, te potete reagire da amici e vicini. Non sopporto la noia, stavo sempre in mezzo ai guai. So che non sono solo, qualcuno là fuori capisce bene quello che intendo, se no non ci siamo. Dici di no, allora vorrei sapere tu che fai. Non sopporto la gente che si dice sempre mai. So che non sono solo, qualcuno là fuori capisce bene quello che intendo, se no non ci siamo. Dici di no, allora vorrei sapere tu che fai. Anche questa notte faccio guai. Non mi importa se mi chiedi come voglio farli. Sopra il palco cascali. Ah, se il collo non si toglie sembra una sciarpa. L'inverno è solo su, amo il blu. Sguardo in su, come parla sia mio nonno che ci faccio su. Quindi faccio su. La gente che giura alla fine sta mentendo. Lo senti cosa dici? No, non siamo amici. Se dici che il mondo è un posto dove star divisi, per me sei solo noia. L'odio costa come goia. Li condanni come prive cache. Ma c'è te se sei te fatto. C'è un peso sullo stomaco come quando alleno il diaframma. Credo solo a mia mamma. Se pensi a tutto quello che è successo fino ad ora, viviamo poco più di una farfalla. Non sopporto la noia, stavo sempre in mezzo ai guai. So che non sono solo, qualcuno là fuori capisce meno quello che intendo, se no non ci siamo. Dici di non ora vorrei sapere tu che fai. Your money, I'ma end up in the ground. To figure out.
Take your money, I'ma end up in the ground. In the phone, I don't want you, hold on. Baggage is like a rose. Stays twisted. I'm the prototype of an outcast on my Jackson. Ain't seen my missus. Been on my jacks. And I ain't seen my rose. It's a shame the way the saying goes that you're in bad company when you're alone. Well, I'ma pull up every memory on my English rose. While the sky turns blots of fur, I'll get lost in your nylers. Your nylers. There's no need to be cryptic, addicted to missing a point, cause I know that I'm better. I'm better. When they're there beside me. Side me, side me, side me, side. Dust from the dashboard. Pink sky, white light fiasco. But it's been a pain. I just wanna hold your hand. It's been a minute. Wishing I could understand. It's been a pain. I just wanna hold your hand. It's been a minute. Wishing I could understand. That I gave up. When was the last time? Didn't me. When was the last time? I was so busy. When was the last time? I didn't chase the clock. When was the last time? That I felt a lot. When was the last time? Made that free on the truck. When was the last time? That I held your hand. It's been a minute. I just wanna hold your hand. It's been a minute. Wishing I could understand. It's been a minute. I just wanna hold your hand. Wishing I could understand. How you look like that? How do you look like that? How you look like that? How do you look like that? Huh? Guess we'll never like my dreams were a fable. Calling me unstable now. Said I'm just talking to the fairies. They stuck in small town, little house on the prairie. And spoons like it's a pastime. One club wonder than the 9 to 5. One club wonder than the 9 to 5. I'm not here to sit upon a high horse, but I wanna school you on Commerce Course. Maybe I'm unstable, but I'm out here ways making themselves. Not lifting a finger, didn't need no help.
every day. A mí me gusta en cada detalle que te hago y que me haces bien. It's what I like, yeah, yeah, yeah. It's just what I like, yeah. A mí me gusta. Creativa. Todas las mujeres son hermosas, pero las más que me gustan son latinas. Ella no es lesbiana, pero a veces escondida a su amiga, su amiga, su amiga. Al ritmo de la música ella mueve las caderas, se me pone imperativa. Hace las cosas y no la pillan, ya, 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 ya. De todo tu día, ¿de qué forma y de cómo yo escojo? Todas esas tú las volverías a hacer. Mi alma gemela, los dos somos adictos. A mí me gusta la mujer. I don't know what you used to, but I know that you have never tried something like this. I don't know what you used to, but it doesn't matter, cause I know you gone like this. Es lo que tienes ahí, lay it down on my body. Lo que tú quieres de mí, do whatever you got me. A mí me gusta la mujer when they shake their yaya. And there's some things I'd like to say. They'll never come out in any way. Don't forget, things change when you're older. Change when you're older. Wish I was younger when I kissed your lips. How did it ever come to this? All this time. Can you make me stronger? Start.
when I was lonely. Now I switched the home. Don't trust no one. No more. Like a camel. That's why I use the demons as my ammo. Been swerving solo through my ends. Nowadays I just don't know who my friends are. Now I switched to home. Don't trust no one. Of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. Now I switch to home. Don't trust no one.
salut à toutes et tous. Bienvenue à Liverpool dans ce stade d'Anfield. Au commentaire, Hervé Matou accompagné de Pierre Ménès. C'est un scénario palpitant qui nous attend puisque c'est l'ultime journée et que le titre n'est toujours pas attribué. Liverpool contre le FC Barcelone. Ah oui, le bon ballon donné par Léo Messi. Une action qui ne donne rien. Oh, le petit ballon piqué. Ah, le titre qui est de plus en plus d'actualité avec ce but marqué. Ouais. Maintenant, mathématiquement, les voilà en position de le décrocher aujourd'hui. C'est énorme ce qu'on est en train de vivre. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Mohamed Salah. Avec Fabinho. Anderson. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Sergio Busquets. Et si vous demandez ce que les supporters pensent de cette décision, bah maintenant vous le savez. Allez, il peut prendre l'espace. Ouais, c'est l'occasion vraiment de gâcher. C'est quand même pas si souvent qu'on se retrouve seul face au gardien comme ça, c'est une chance. Et en même temps, quand tu codes pas, eh ben, tu risques pas de marquer. Fabinho. Wijnaldum. Technique de Firmino. Une balle d'égalisation. Ouais, ils ont réussi à s'en sortir, mais ils ont eu un petit coup de chaud là. Coutinho. Et l'attaque va s'arrêter là. Et Metz qui perd le ballon. C'est donné en profondeur. Le gardien qui a bien jailli sur ce ballon en profondeur. Wijnaldum. Roberto Firmino. Griezmann. Bah, il a bien lu le jeu. Ouais, coup franc pour Liverpool. Messi. Griezmann. Ouais, Messi, ça c'est bien joué. Passe en profondeur. Ça, c'est un but important hein, qui pourrait permettre à cette équipe de se mettre à l'abri. Ouais, mais cette fois, c'est vraiment bien parti pour elle. Sauf catastrophe, elle sera championne. Ça fait donc deux buts d'écart maintenant, 2-0. Thiago Alcantara. Roberto Firmino. Voyons comment Liverpool va développer cette action. On va pouvoir centrer. Sergio Busquets. Ousmane Dembélé. Avec Messi. Coutinho. Griezmann. Frenkie de Jong. Ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann. Oh, sauvé par la barre! On n'arrive pas à s'y faire quand on tape un poteau ou la barre. Hein. Ça énerve toujours, j'ai remarqué. Firmino. Paul qui perd le ballon. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Mané, attention, ça, ça peut devenir dangereux. Et la voilà la frappe. Oh, l'intervention exceptionnelle du gardien. Oh, quel arrêt. Ah, ça, c'est un sacré plongeon, Hervé. L'arrêt du match, peut-être. Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Virgil van Dijk. Avec Roberto Firmino. Ouais, il perfore la défense. Ouais, c'est bien joué défensivement. Bien vu. Avec De Jong. Lionel Messi. Le Barça qui continue, il y a avantage. Barcelone qui obtient le coup franc. Il combine à deux.
Jordi Alba. Ça se confirme, statistiques à l'appui, ce sont bien les Reds qui dominent en termes de possession. Mais cette équipe se crée finalement assez peu d'occasions. Attention, elle peut relancer le match là. Et voici un petit but de l'égalisation. Tout n'est pas perdu pour eux. Et 2 buts à 1 donc maintenant. Une faute hein, sur le joueur de Liverpool. Coup franc. Anderson. Bonne phase de construction. En espérant faire mal derrière et essayer d'égaliser. Ça c'est très bien défendu. Roberto Firmino. Interception de Sergio Busquets. Salah. Coutinho. Avec Messi. Avec De Jong. C'est mal parti dans cette rencontre. Mais on sent que l'équipe ne va pas baisser les bras. C'est sûr qu'on a connu des Reds plus brillants que dans cette première période. Mais malgré leur but de retard, c'est un petit peu tôt pour les condamner. On pourra assister à un tout autre match au retour des vestiaires. Antoine Griezmann. Coutinho. Thiago essaye de reprendre ce ballon. Et c'est la mi-temps. Sifflé à l'instant. La seconde période qui reprend donc. Et pour le moment, c'est le FC Barcelone qui mène. Jordi Alba. Avec l'anglais. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Frankie de Jong. Et encore une bonne passe. Léo Messi. Messi qui perd le ballon. Le ballon qui change de camp. Roberto Firmino. Ouais, l'arbitre a sifflé hors-jeu. Hors-jeu. De Jong. L'arbitre a laissé jouer. Avantage pour le Barça. Ouais, Messi, ça c'est bien joué. C'est mal joué. C'est mal joué ça. La passe de Thiago Alcantara qui ne trouvera pas preneur. Thiago Alcantara. Un bon ballon à jouer pour les Reds. Ah, c'est terrible ce but encaissé. On se dirige vers le scénario tant redouté. Le titre qui est en train peut-être de leur passer sous le nez. Ouais, ils étaient en bonne position au coup d'envoi. Et puis là, ils sont en train de tout perdre. Ils reviennent à égalité de partout. Messi. Ils veulent faire bouger la défense avec ce très bon redoublement de passe. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Alexander Arnold. Ballon rendu à l'adversaire. Ça aurait pu passer, mais l'action n'ira pas plus loin. Interception. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ousmane Dembélé, il cherchait quelqu'un, mais il ne l'a pas trouvé. La bonne passe de Mané. Bon, ça, c'est plutôt moyennement joué. Avec De Jong. Oh, c'est bien donné dans l'espace. Oh là là, l'occasion. Ah, le titre qui est de plus en plus d'actualité avec ce but marqué. Ouais. Maintenant, mathématiquement, les voilà en position de le décrocher aujourd'hui. C'est énorme ce qu'on est en train de vivre. Liverpool qui est donc mêlé. Fabinho. Wijnaldum. Ils ont décidé de poser le jeu. D'attendre le bon moment pour tenter une percée.
Ah, il a vu qu'il y avait quelque chose à faire dans cet espace. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Coutinho. Jordi Alba. Jordi Alba. Messi. Donc Messi. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Et le but, que c'est beau. Ah, il fait du bien ce but, il fait du bien. Le titre leur tend les bras. C'est vrai que là, ils ont toutes les cartes en main pour décrocher le titre. Ils n'ont plus le droit de lâcher, plus maintenant. Cette perte de balle, elle leur coûte cher. Ouais, après ça va très vite, hein. Mais le buteur signe un bel exploit individuel. 4 à 2, avance de 2 buts au tableau d'affichage. Griezmann qui perd le ballon, qui profite à l'adversaire. Oxlade-Chamberlain. Wijnaldum. Ouais, lumineux cette passe. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Oh, qu'est-ce qu'il a fait le gardien? Il s'est manqué, il y a danger. David Kadik hein, qui a faute, coup franc pour le Barça. Avec De Jong. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Frankie De Jong. Attention, ça peut faire but. Le gardien qui repousse le ballon, qui écarte le danger. Le ballon est bien sorti, ce sera un corner. Changement logique, hein, Pierre. Oui, parce que c'est plus à eux de faire le jeu. Ils mènent au score. Maintenant, ils vont essayer de jouer en contre, c'est clair. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Allez, il a de la place dans le couloir. Oh, il se fait passer. Wijnaldum. Liverpool, ça peut être dangereux. Ça n'ira pas plus loin. Le Barça qui continue, il y a avantage. Tout seul face au gardien. Attention à nouveau. Eh oui, il y est. On a vu le point rageur de l'entraîneur. Up everything so I could be this. All my old friends think I'm a real b-. Do it for the kids and you do it for the honeys. For a little bit of this and a little bit of money. You'd be there by now if you had to see what I did. Cows think you could your way in. Well, laugh out loud, that's some real stupidity. Think I got here by using these itty bitty. I've given up a lie. I wish that all it took was a side effect. Yeah, we'd all be drinking flavored Kool-Aid, and there'd be like a billion Kim K's. I've been saying, oh my God, you've been blaming all your cards. I've been running all my life. Tell me what's to know about sacrifice. Well, you was getting taking long vacations, I was on my grind. Dedicated fat cats on the with the TV and lasagna. I'm like real montage, kind of like a katana. Do it for the kids and you do it for the honeys. For a little bit of this and a little bit of money. My old friends, they be criticizing. She really changed who the think she is. Why she got no wedding ring? Even the good ones, they always say, when you gonna give up, live the right way. Like, why you gotta go and do me like that? Call me right back, cause I was born for this. And I would sacrifice you like the kid in the glasses from Lord of the Flies, boo. All the places that I wanted, all the friends that I forgot.
sometimes it's just like, sometimes it's just like, etc, 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 etc. Sometimes it's just like, sometimes it's just like, etc, 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 etc. Let go of the nonsense, all that you hear. Oh yes, you know that the echoes in your ear. Yeah. Let go of the nonsense, all that you hear. Yet you know them, the voices in your ear. So what will happen now? You have put us into this conflict. Can you see what you're losing? What are you doing? Up in your feelings, is it real or are you still dreaming? Can you see what you're losing? What life are you choosing? Time is ticking, what you giving? Shift your mind, move your spirit. What has arisen? What's your decision? Sticks and stones won't shake my vision. Now, shaking off now. Now is the time, now is the time. Let it go now. Now is the time, now is the time. Rationalism. Oh, I'ma pick your side. Oh, judgment. Ooh, tell me if it's true. Ooh, is it fact or fiction? Ooh, what's your position? Ooh, sometimes it's just like, sometimes it's just like, etc. Sometimes it's just like, sometimes it's just like, etc. Let go of the nonsense, all that you hear. Yes, you know them, the echoes in your ear. Let go of the nonsense, all that you hear. Yes, you know them, voices in the air. Salut tout le monde, bienvenue dans ce magnifique stade où les conditions semblent réunies pour qu'on ait vraiment un bon match. Au micro bien évidemment, Hervé Matou et Pierre Ménès pour vous accompagner. Ouais, c'est la première journée de cette saison qui commence et fait partie des jours qu'on adore dans l'année. On est toujours très excités. Le Bayern Munich contre le FC Barcelone. Hervé retrouve avec plaisir ces joueurs qui n'ont pas arrêté de nous épater la saison passée avec cette montée et ce titre. Maintenant, attention, hein, la division 1, c'est autre chose. Aucun match n'est facile. Allez, ça peut peut-être se jouer là. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Sané, récupération de Jordi Alba. Griezmann. Très bonne anticipation sur ce ballon. Les Blaugrana qui ont le ballon. Oh, c'était important de faire ce tacle. Maintenant, le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon. Il avait bien lu la trajectoire. Sané. Duel très intéressant dans ce match avec Lewandowski que l'on va retrouver face à Lionel Messi. Oui, Lewandowski, c'est un joueur qui aime partir en dribble en sapin. Et le but, l'ouverture du score. Excellente entrée en matière. On revoit ce bon centre en retrait, bien donné dans le tempo. Après, attention, hein, c'est loin d'être fait, mais avec Lamine qui l'envoie à mi-distance, il n'y a aucun gardien au monde qui peut mettre la main. Hein. Quelle inconscience de la mettre. Coutinho. Avec De Jong. Il lui rend, première intention. Ça c'était dangereux, bonne intervention. Léo Messi,
Balle d'égalisation. Oh, c'est dévié. Heureusement, sinon ça faisait but. Ouais, j'en ai bien l'impression. Comme quoi, ça se joue pas grand-chose parfois. Hein. Allez, il peut prendre l'espace. Et le but pour le Bayern. Le but pour le Bayern qui porte son avance à 2. Et ça fait donc 2 buts d'écart maintenant. 2-0. Coutinho. Jordi Alba. Jordi Alba qui gagne du terrain. Oh, que c'est bien joué, bien coupé par le défenseur. Griezmann. Jordi Alba encore. Sergio Busquets. Frankie de Jong. Messi. Barcelone qui marque. Un petit but d'avance donc. Le score est de 2 buts à 1. Lionel Messi. Sergio Busquets. Griezmann. Le ballon pour Coutinho encore. Antoine Griezmann. Et dommage, ça n'ira pas plus loin sur ce coup. Koretka. Lewandowski. Ça c'est très bien défendu. La faute, attention là au jaune avec ce tacle un peu limite. David Alaba. On cherche la faille dans la défense adverse. C'est un coup franc en faveur du Bayern. Le centre vers ses coéquipiers. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Busquets qui écarte ce centre. Coutinho. Griezmann. Ouais, très bon contrôle. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Kimmich. La passe qui sera finalement pour Jordi Alba qui a récupéré. Attention à ce ballon récupéré là très haut. Ouais, bonne sortie du gardien. Ouais, fallait y aller sur ce ballon. Hein. Coutinho. Oh oui, encore une bonne passe. Avec De Jong. Ousmane Dembélé. Messi. Le Barça qui continue, il y a avantage. C'est qui perd le ballon. Quelques chiffres pour se rendre compte que le Bayern touche assez peu de ballons finalement. Mais l'essentiel, c'est de bien exploiter ses phases offensives. Et à ce jeu-là, jusqu'ici, cette équipe a été plus efficace que son adversaire. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Oh, le but ! Oh, le FC Barcelone qui égalise ! L'action gagnante que l'on revoit en ce moment avec cette passe en profondeur. Après, évidemment, le talent de finisseur de Lionel Messi a fait le reste. Belle rencontre, un score de parité maintenant de 2. Ouais, il efface bien son vis-à-vis. Je crois qu'il n'a pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé. Il hésite, on dirait. Le ballon qui change de camp après cette bonne intervention. Non, le drapeau s'est levé, ça va être un hors-jeu. Koretka. Belle aspiration sur cette passe. Pas bien négocié ce ballon. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Bayern qui va avoir un coup franc à jouer. Lewandowski. Ah oui, le bon ballon là. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Lionel Messi. Ousmane Dembélé. Il cherche des solutions là. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Contre-attaque peut-être. Et il n'y aura qu'une minute hein, de temps additionnel à jouer.
Elle a bien sauté pour éviter le tacle. La mi-temps sifflée à l'instant par l'arbitre. Il y a eu des buts. Il reste du suspense avec ce 2-2 à la pause. Un petit mot peut-être d'analyse sur la première période de Messi. Ce sont les joueurs du FC Barcelone qui engagent cette seconde période. Un ballon perdu par le Barça. Récupération et peut-être une action dangereuse. Ah, ça passe vraiment assez loin du cadre finalement. Bah, c'est un peu normal, Hervé, quand tu regardes comment il la joue avec cette désinvolture, je vois pas comment ça pouvait inquiéter le gardien. Avec De Jong. Lionel Messi. Une phase de possession en attendant la faille. Ousmane Dembélé qui voit sa passe interceptée. Allez, il a de la place dans le couloir. Allez, il faut centrer, c'est le moment. Il cherche un partenaire démarqué. Attaquant qui n'a pas eu le temps de crocheter le gardien. Hein. Oui, il a fait le choix de sortir très vite, c'est parfait. Frankie de Jong. Encore un bon ballon. Le Barça qui continue, il y a avantage. Jordi Alba. Le centre de Jordi Alba. Attention, il a de l'espace. Allez, il faut le mettre celui-là. Un très beau tacle, hein. Il a sûrement évité une grosse occasion de but. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Voilà une contre-attaque qui n'ira pas plus loin. Messi, un très très beau geste défensif. Robert Lewandowski. Ah oui, Lewandowski, bien joué. Müller. Ah, il a commis la faute là pour couper cette attaque. Carton jaune et surtout un coup franc dangereux à suivre. Un coup franc très dangereux, encore plus quand c'est Lewandowski qui tire. Ouais, c'est bien le gardien qui se saisit de ce ballon. Ouais, bien arbitré là, le Barça qui poursuit son action malgré la faute. Frankie de Jong. Ouais, la bonne interception et le danger qui va donc s'éloigner. Busquets, ouais, sa passe est interceptée. Attention, le gardien qui loupe complètement son dégagement, c'est dangereux. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Attention, si ça rentre. Coutinho. Alors cette fois-ci, ça ne passe pas, mais enfin, la contre-attaque a été rondement menée. Vraiment, extrêmement efficacement. T'as vu comment ça allait vite, hein ? Tu sentais qu'ils attendaient ce ballon, les mecs. Ouais, c'est sifflé, coup franc pour le Bayern Munich. Boateng. Faute et coup franc pour le Bayern. À la barre. Alphonso Davies. Il conserve le ballon. Ils espèrent trouver une possibilité de mener une attaque. Ouais, pas de soucis. Le gardien qui capte bien ce ballon. Sergio Busquets. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Ousmane Dembélé. Ils font bien circuler le ballon. Ils sont patients. Sergio Busquets. Griezmann.
Oui, la faute, il y avait danger. Et attention, là, ça sent carton. L'arbitre a sifflé, il sort le jaune. Bah là, le joueur du Bayern, il va falloir qu'il fasse extrêmement gaffe pour ses prochaines interventions. Hein. Oh, quelle détente! Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là! Un peu de coaching pour l'entraîneur. Il préfère combiner pour jouer ce corner. Frankie de Jong. De Jong. Il va être à bout portant. Ansu Fati. Ah, ce n'est pas avec ce genre de tentative qu'il peut espérer surprendre le gardien. Ah, ça manquait vraiment de conviction dans le dernier geste. Jouer comme ça, ça ne pouvait pas donner grand-chose. Coutinho. De Jong. Et le voilà le but. Ils étaient largement menés. Et les voilà en tête dans cette partie. En voyant ces images, on a quand même envie d'avoir une pensée pour le gardien qui en réalité ne pouvait pas faire grand-chose pour éviter ce but. Peut-être le but de la victoire, hein, Pierre. Ah, c'est vrai qu'il reste plus beaucoup de temps pour égaliser. Hein. Attention, ça peut être intéressant là pour le Bayern. Parce que s'ils veulent égaliser, c'est maintenant ou jamais. Ouais, bonne intervention. Ballon en touche. La touche est ratée et le ballon est perdu. Goretzka, le ballon qui a été contré. Attention, la contre-attaque. Encore 7 minutes à jouer. Il n'y a pas grand monde là pour revenir défendre. Oh, il y va tout seul, il y va tout seul. C'est déjà la troisième fois qu'il trouve le chemin des filets. Bonjour à tous, nous avons rendez-vous aujourd'hui dans ce stade magnifique qui est l'antre du FC Barcelone. Pierre Ménès et moi-même, Hervé Matou, nous allons vous... I'd be gone, Madame Gicure.
get, so we're gonna get. I'm gonna see a laugh on your face, so I might die. So I might die. So I might die. If I got one thing right, it was you and me. So I'll go in so nobody sees. Pull me closer, please. I don't even need you to explain. How much longer will you keep me on your chain? Bonjour à tous, nous sommes en Espagne aujourd'hui, plus exactement en Catalogne, à Barcelone. C'est Hervé Matou qui vous parle, très heureux de vous commenter ce match, d'écouter avec vous les analyses de Pierre Ménès. Le Barça affronte le Paris Saint-Germain. Les joueurs qui ont réussi leur entrée cette saison en enregistrant un succès dès leur premier match. Évidemment, l'objectif est de signer une deuxième victoire consécutive. Allez, il faut centrer. Mauro Icardi. Ter Stegen, attention, l'action qui se poursuit. C'est loupé, cette tête ne donnera rien, ça passe très loin du cadre. Ouais, mais il la reprend mal, donc du coup, c'est sans danger pour le gardien. Messi. Ousmane Dembélé. Mbappé. Kylian Mbappé, il a un boulevard devant lui. Attention parce qu'il adore ça. Et Ter Stegen. Oh, c'est un penalty. C'est un penalty. Ils vont avoir une grosse occasion de prendre l'avantage. Oui, Hervé, c'est probablement le tournant du match. Oh, c'est raté. C'est raté pour Neymar. Une corner qui est joué en deux temps. Il fallait intervenir urgemment. Mais non, le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon. Il avait bien lu la trajectoire. Ousmane Dembélé. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Kylian Mbappé. Allez, il faut le mettre celui-là. Il est perdu par le Barça. Kylian Mbappé. Oh, le but peut-être. Il frappe vers le but vide. L'ouverture du score, l'ouverture du score, alors qu'on sortait à peine du round d'observation. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Con el 7, Mbappé. L'arbitre a laissé jouer, avantage pour le Barça. Quoi, une bonne séquence de passes des Barcelonais. Antoine Griezmann. Et tout le monde l'a veillé au fond. Vraiment, cette reprise de la tête. Ouais, peut-être. Ça doit jouer à un détail, mais finalement, elle frôle le cadre. Ah, c'est une touche. Neymar. Et il gagne ce duel. Il va repartir avec le ballon. Messi. Messi qui perd le ballon.
ça sort en touche. Ousmane Dembélé, Frenkie de Jong, Léo Messi. Et le ballon piqué, oui. Incroyable, il marque. Oh, incroyable. Oh, il ne lâche rien. Ils sont réduits à 10 et ils reviennent au score. Oh, quelle détermination, quelle envie. Il est Sagay. Verratti. Prenez une. Mbappé. Merci. Oh, il s'est ouvert le chemin du but. Ah, ce ballon piqué qui vient tromper le gardien. FC Barcelone qui voit son adversaire prendre l'avantage. Con el 10, Neymar. Oh, que c'est bien donné ça. Hors-jeu signalé. La défense qui s'est fait une petite frayeur peut-être. Ousmane Dembélé. Donc Messi. Encore une bonne séquence de passes des Barcelonais. Messi qui centre. L'égalisation au bout peut-être. Ouais, bien joué, c'est pas terminé, attention. Bonne passe d'Mbappé. Oui, bien donné cette passe en profondeur. Excellente intervention du gardien. Avec De Jong. Ballon perdu par Busquets. Lionel Messi. Ah, le pressing qui paye dans le camp adverse. Frappe contrée. Mauro Icardi. Non, il y a hors-jeu. Hors-jeu. Lionel Messi. Messi. Ah non, la passe est interceptée. Sergio Busquets. Coutinho. Allez, dans le couloir. Frenkie de Jong. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Allez, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Oh, il s'est ouvert un boulevard. Neymar. Ah, quel but. Quel but. Et surtout, quelle contre-attaque. Hein. Ah, la défense était quand même un peu aux fraises sur ce coup-là. Et ça allait tellement vite. Ouais, c'est pas mal. Et le score qui est maintenant de 3 buts à 1. Gol del PSG. Con el 10, Neymar. Neymar. Encore Neymar. Ouais, bien joué le défenseur. Avec De Jong. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Mbappé. On ne peut pas en faire des tonnes, Pierre, mais cette équipe est en train de vivre vraiment un match extrêmement difficile aujourd'hui. Ouais, c'est un petit peu la version fantôme du FC Barcelone à laquelle on a droit aujourd'hui. Je ne sais pas ce que l'entraîneur va dire à ses joueurs à la mi-temps, mais ce serait bien qu'ils se réveillent. Cette faute qui donne un coup franc dangereux. Alors, est-ce qu'il la met au fond, celui-là? Il n'a pas trompé la vigilance du gardien sur ce coup franc. Griezmann. Jordi Alba. Jordi Alba qui gagne du terrain. La fin de la première période est là. Allez, le coup d'envoi de la seconde période qui vient d'être donné. On rappelle que le Paris Saint-Germain mène au tableau d'affichage. Avec De Jong. Un ballon perdu par le Barça. Ouais, lumineuse cette passe. Di Maria, il faut se méfier.
C'est une forme de logique hein, qui est respectée avec ce but. Face à céder, face à une équipe qui a... l'avantage d'évoluer en supériorité numérique. Del Paris Saint-Germain, con el once, Di María. Ça a débusqué. Encore un bon ballon. Sale del partido. Young. Con el 14, Coutinho. Ça aurait pu passer, mais l'action n'ira pas plus loin. Interception. Neymar. Il s'infiltre. Di María. Frappe. Oh, le but. Oh, la frappe hallucinante qui a trouvé le cadre. Imparable. On revoit la contre-attaque qui amène le but. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, du coup, individuel. Belle frappe de sang-froid dans le dernier geste. Un score qui est désormais de 5 buts à 1. Ils construisent, ils font tourner. Griezmann. Un petit peu de déchet dans le jeu de Jordi Alba qui perd la balle. Il s'échappe. Kylian Mbappé. Oh, le but! Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this day.
I'm the lion, I can smell if you're frightened. Big love linking up like a hyphen. We don't deal with that fear around here, no. Free to laugh, free to cry, let your tears flow. At your best, be yourself with your people. Get deep, we don't care if it's legal. I see the beauty in the little things. Hear the music when the wind blows. Turn these moments into memories. Don't overthink it, keep it simple. Spread love like a miracle. Was in line like, oh, well, she got a movement. Like she got a beg and please, how she do it? Can she do it like a d- how she move it? Like the hood centerpiece, she in the movement. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. You wish you could get that beat plus fries. You the shake, you the thing I'm trying to supersize. Jiggy, jiggy, heavy, heavy. Baby, do you love me? Honey's looking at me like hop in the line. Rock your body, don't stop. Okay, yeah, we see you. No perm, they press. Oh, yeah, he peep you. Thought y'all poke it out like, oh, we see you. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. How you talk about the vibes and get names? Killjoy, bump. Get money, that's the weed's decoy. Get played by one, now we too bold. That pointless bluffing won't make you grow. But I'm attracted to bad things, that's a habit. Big brick for a beard, only with a way I talk my stuff, it gets tragic. This is not a one-time thing, you silly rabbit. Cause we type tough in tools. Doubles make me comfortable, plus a little fool. After loving you, I'm starving. Get the out, Pam, I'm Martin. Turns your cousins in the fans when they were supposed to be the lookout. Get sweeter, fam, I got invited to your cookout while I'm starting things at his house. Won't say too much, but he the one with that big mouth. Cause he said, miss, your taste is my suitor. You hating, you losing. He can't stay me choosing. Big clout inside too, man. Said the whole hood be on go like the VG though. Miss, don't act like you know more than me because you don't. Miss, you can't be dumb and broke. Hope you know, baby. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. Yeah. Thank you.
Talking about unity. Unity. We suffer too long, oh. Unity. From every black man. Unity. Yes, break our chains, oh. Unity. Caribbean people. Unity. Brazilian people. Unity. Oh, one and all. Unity. We suffer too long, oh. That time is at hand. Look how long we've been fighting each other, carrying bags and hands. Yet we knew all along that the only way forward is unification. That time is now at hand, when nations and nations must acknowledge that creation. Oh, mighty people, sunburned face, among all other nations, rise and take your place. What you talking about? Unity. You think that I'm mad? Unity. Where can I find it? Unity. I'm looking hard. Unity. Oh, oh, oh. People, unity. Oh African man, unity. You suffer so long, oh. Unity. Oh, oh, oh. Unity. We did not die in the diaspora. A greater fate awaits, yeah. Come, let's get this movement here together.
Tomorrow may be too late. Yes, I know. Among us, they are traitors and spies. But no one can stop us if we're truly unified. I know. Among us, there are wolves among the flocks. But no one can stop us, and to conquer they cannot cause. Unity. What am I calling? Unity. For every black man. Unity. Hey, what I call. Unity. Don't think that I'm crazy. Unity. Some say that I'm mad. Unity. Where can I find it? Unity. Oh. Far too long we've been fighting each other, carrying bags and hands. What am I talking? Unity. What am I talking? Unity. For every black man. Unity. We suffer so long. Unity. At home and abroad. Unity. What am I talking? Unity. You think that I'm mad? Unity. Oh, oh, oh. Unity. African people. Unity. Caribbean too. Come everybody. Unify. Got a couple statements to make and some paper to chase. I've been grafting all year, still ain't taking a break. Fam, I need to vacate, get my shades out the case. Trust me, can't nobody ever throw shades on the H. Ain't never easy, had to wait for my plate. Promises were made, but man, they're blatantly fake. Had to change up my ways, I just weighed up the game. Now the radio plays, I just making me cake. Look, it's easy, got your girlfriend in the feelings. Then I'm linking Simon, talking millions in meetings. 19 years old, 4 bills and we go eating. 19 on the plate, 4 circles on the keyring. Looking at the charts, come like looking in the mirror. Murdered every feature, when you greet me, call me killer. Rapper, not a preacher, God forgive me, I'm a sinner. But I know you got my back, so I give thanks before my dinner. Hottest jungle in the UK, give up what you say. They was popping back then, cause it's a new day. Rapping about you're 30, it's too late. Running up your gums, you ain't worthy, it's too fake. Chopping rhythms up with YJ, gotta whip a new tape. Blocking women out my life, I ain't got time for you, babe. Boxer, on my rider, trying to find a new wave. Call the driver, run outside and get inside the new shape. Taking a pin up, ain't popped up, popped up, but I'm taking a trip. Bienvenue au Vanda Metropolitano. On est en place, on est prêt à vous faire vivre une très belle rencontre, on l'espère en tout cas. Un match que je vais vous commenter bien évidemment avec Pierre Ménès. Alors ce sont 90 minutes de foot espagnol qu'on va voir avec ce match de Liga Santander. Atlético de Madrid affronte le FC Barcelone. Un match dont les supporters parlent beaucoup entre eux, tu t'en doutes. Je crois qu'ils signeraient tout de suite pour un bon vieux 1-0 tout pourri, mais nous on attend surtout un bon match. Soit la meilleure défense face à la meilleure attaque. Oui, il reste à voir ce que ça peut donner sur le terrain. C'est Barcelone qui jouait d'une popularité un peu qualifiée de mondiale, hein, Pierre. Oui, c'est le club qui compte le plus d'abonnés au monde avec 170 000 socios. Évidemment, c'est phénoménal. Puis bon, quelque part, c'est un peu mérité aussi. Voici la composition de l'Atlético de Madrid. C'est un 4-5-1 qui a été retenu. Avec un bloc équipe très dense dans les phases offensives et défensives. La composition du Barça qui s'affiche à l'écran. Je vous laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur. Un 4-5-1, on s'en souvient, c'est le système qu'utilisaient les Français en 1998, mais aussi en 2006. L'arbitre qui donne le coup d'envoi de cette affiche du foot espagnol. Avec des supporters de l'Atlético et du Barça qui donnent de la voix.
Lionel Messi. Frankie de Jong. C'est venu en profondeur. Busquets. Messi encore. Coutinho. Oui, attention. Oh, que c'est bien défendu. Il y avait grand danger. Saoul. Ok, maintenant. Ah, ça, c'est très bien défendu. Lionel Messi. De Jong. Léo Messi. Là, il fallait intervenir urgemment. Il a lu le jeu. Il est un petit peu cerné là. Ok. Stéphane Savic. Marcos Llorente. Soirée. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Le ballon change de camp. Messi. Les joueurs du Barça opposés à un sérieux adversaire aujourd'hui. Un rapport de force assez équilibré. Je pense que ça va se jouer à pas grand chose. Peut-être sur les coups de pied arrêtés. Carrasco. Oh, c'est un boulevard là qui s'ouvre devant lui. Mario Hermoso. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Stéphane Savic. Ah, belle séquence de passe. Attention, hein, ça peut énerver l'adversaire. Il s'avance vers la surface. Llorente. Ok. Luis Suarez. Ouais, bonne intervention. Ouais, alors que je vois qu'il y a un joueur qui ne se relève pas. Oui, l'arbitre l'a vu aussi, il arrête tout naturellement le match. Il a fait signe qu'il voulait sortir, qu'il devait sortir. Espérons que cette blessure ne va pas trop l'éloigner longtemps des terrains. Con el 6, toque. Entrará en su lugar.
On l'a vu grimacer sur sa blessure. Et là, il sort. Ouais, on recommence à partir d'une balle à terre dans ces cas-là. Ousmane Dembélé. Antoine Griezmann. Les Blaugrana qui ont le ballon. Ah oui, il fallait intervenir sur ce ballon. Il a bien anticipé sur cette passe. Stefan Savic. João Félix. Marcos Llorente. Entre le Correa. João Félix. Saúl. João Félix. Il a trouvé João Félix. Il a l'occasion de marquer avec ce duel. Et l'ouverture du score. Oh, ils n'auront pas traîné pour prendre les devants dans ce match. Regardez, c'est bien joué. En doublant les passes, ils ont fini par trouver l'ouverture. Un buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé. Après, il n'y a plus qu'à battre le gardien. Alors qu'on a vu Diego Simeone tout sourire après. Don't need a seminar to feel the temperature. Repping the 509. Nothing about me regular. You're only a word away from feeling this every day. La vie c'est pour nous fêter. La vie est trop belle pour nous pas fêter. Bimbi. Taking chances, hi-ya. Time to avance, hi-ya. Oh no, boy, don't say. Mes amis, mes amis, can't control my body. If you think you can go with me, baby, turn up this heat. Yeah, bye. Control my body. If you think you can go with me, baby, turn up this heat. On what? Dreaming the sounds that carry me so far away. The freedom now, forever I'll be bound. Dream of the south, or where the sun's so paramount. To the seasons I'll spend my time here now. They play like silent movies, only you can see. You shelter them and keep them rolling onwards. Won't you ever let them go? But tell me at what cost? I'll find the ticket to ride. I'll be waiting for the perfect time. Sometimes with a look in my eyes, I'll be gliding through these dreams of mine. What's right? I'll find a ticket to ride.
things you had before. Thoughts on a fold are washing in like ocean waves. So let me drown, no, never let me down. They play like silent movies, only you can see. You shelter them and keep them rolling on. What's going to ever let them go? Tell me at what cost I'll find the ticket or ride. I'll be waiting for the perfect time. Sometimes with a look in my eyes, I'll be gliding through these hopeless dreams of mine. When it's right to step out of line, I'll be waiting, waiting to see my fall. And I'll find the ticket or ride. All I wanted to find is a place that I called paradise. Oh my, I look at the signs and I pray, just lead me away from here. The walls, they fall away, I fall awake. I never want to lose this state of mind. It's mine and I'll never let it go. But tell me at what cost. I'll find a ticket to ride. I'll be waiting for the perfect time. Sometimes with a look in my eyes, I'll be gliding through these hopeless dreams of mine. When it's right to step out of line, I'll be waiting, waiting to see my form. And I'll find a ticket to ride. Jetzt im Bay, Fred Setback. Euer Sword, ihr Schlange voll ein Payback. Cake roll mit dem, bis we go way back. Ihr Hirn träumt mit, ihr rolle ihn Mayback. Ihr Lilan ist so deklar, ihr hat Jetlag. Ihr seid Bean, aber laid back. Trauber bei dir straight facts. Die wissen immer mein Pack, pack, pack. Ah, Opo. Ice come in mit Phil Scopo, ey, ey. Opo, Ola, Ola abgeben, nur dicke Glupo, ey, ey. Denn der Drip kennt ihn einige Trupo, ey, ey. Rupo, die wir hate vor den Mann mit der Oko. Ey, ey. Dumme Level, Batman, nice, dumme Level. Yo, dumme Level, ma dafür wir mir so point Geld zeigt's Geld. Dumme Level, man, dem Spieler home mit der Bein für Sell. Stick mein Big Party Geller, ihr Glell. Spell ihr das Sell, dumme Level, yo. Komm mal lief Rabonne, wie Ramakun toppen. Umdrehen wir wie schon dem Skuku stoppen. Ihr kennt die Quartier, die gesperrt, der Poplocken. Yo. Weil er loka, Winter runter, und kann man drüber. Ja, hielt bitte unnötig, aber so ein Puppa. Ich verbanne, dumme Level, dumme Level. Weil ich zieh dich. Dumme Level, geh halt dem Fratunis. Dumme Level, Kenny Bailey ist gespießt. Oh, die Kinderroutine, ja, die Kinderroutine. Dumme Level, weil ich zieh dich. Dumme Level, stopp, Fratunis. Dumme Level, Kenny Bailey ist gespießt. Zinn deine Inner, die zu zerwies, Winter warm in der Eis. Dumme Level. Batman, nice, dumme Level. Yo, dumme Level. Ma dafür wir mir so point, Geld zeigt's Geld. Dumme Level, man, dem Spieler home mit der Bein für Sell. Stick mein Big Party Geller, ihr Glow. Spell ihr das Sell, dumme Level, yo. Dumme Level. Dumme Level. Dumme Level. Dumme Level. Dumme Level. No pain, yeah. No pain, 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 no pain. I walk miles to they walk through the rain. Nurtured the pain, the dirt, the stain.
twos, I got you, I got you. You can kick it with a crew like Kung Fu on cue. Stood in the corner of a dark room with a look in your eyes that say I want you. Okay. Twos, I got you, I got you. And you make the rise at the sun do, okay. Sun Tzu. The best way to subdue, okay. Come true, do what you want, who's gonna stop you? You lied, took my love, now I feel like a fool. But you don't give your love to me. Yeah, yeah. I cannot show you love. Show you love. Cannot give you love. Give you love. Cannot show you love. Show you love. Cannot give you love. Give you love. This is what I get from you, my lover. Toosters, I got you, I got you. I'm just trying to play the fool, trying to cut loose. Looking like a cola bottle in that body dress. To the world screaming, you. Twos, I got you. No rules, just us, no rules, just us two. No rules, just us, no rules, just us two. I'm a big shot, I do what I want to. Think about you, you know that
Salut à tous, nous sommes à Paris aujourd'hui, en direct du Parc des Princes. Pierre Ménès et moi-même, Hervé Matou, nous allons vous commenter ce match. Le Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone. Un match dont on n'attend pas grand-chose, mais allez, on espère qu'il y aura du spectacle. Mbappé. Ah ouais, bien défendu. Frankie de Jong. Il progresse vers le but. Et il perfore la défense. Et l'ouverture du score. Le premier but dans cette partie qui commence très bien. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Numéro 10. Lionel Messi. La passe de Neymar qui est interceptée. Gueye. Ouais, la bonne passe de Neymar dans la profondeur. Kylian Mbappé. Et l'égalisation. L'égalisation. Eh bien, dites-moi, il y a de l'animation dans ce début de match. Contrairement à certains matchs où les équipes pourraient jouer des heures sans marquer, là, c'est plutôt sympa. Mbappé. Ouais, le joueur qui saute pour éviter le tacle. Neymar, voilà, ça passe intercepté. Coutinho, Jordi Alba. Coutinho, Frankie de Jong, Lionel Messi. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Oh, heureusement qu'il était là. Ah, c'est finalement un match assez équilibré auquel on devrait assister. Oh, personne pour l'arrêter. Et attention, attention à nouveau. Oh, le but, oui! Le Barça est mené. Le numéro 7, Kylian Mbappé. Neymar. Ter Stegen, attention, l'action qui se poursuit. Lionel Messi. On a perdu un peu bêtement par Griezmann. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. La passe de Neymar, mais qui est interceptée. Neymar. Il avait tout compris là, le défenseur, bien vu. Coutinho. En face de Coutinho et qui trouve un adversaire. Marco Verratti. L'arbitre qui laisse l'avantage au Paris Saint-Germain, il a fait signe de jouer. Ouais, impeccable la récupération. Frankie de Jong. Coutinho. De Jong. Messi. Oh, c'est bien donné en profondeur. Et le but de l'égalisation. Barcelone qui revient à hauteur de son adversaire. Et voilà, les deux équipes qui se retrouvent encore au coude à coude. On écarte un petit peu le jeu. Neymar. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Intercepté sur cette passe de Coutinho. Kylian Mbappé, il s'enfonce. Oh, c'est un penalty. C'est un penalty. Ils vont avoir une grosse occasion de prendre l'avantage. Oui, Hervé, c'est probablement le tournant du match. Oh, le penalty indiscutable. Penalty. Et en plus, un petit avertissement au passage pour le fautif. Oh, c'est raté. C'est raté pour Neymar. Alors le point de pénalty n'est qu'à 11 mètres du but. Mais c'est moins facile qu'on le pense. Je n'excuse pas le péno raté, j'explique. Messi. Jordi Alba. Coutinho. Avec De Jong.
Ousmane Dembélé qui voit sa passe interceptée. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Ah, c'est un peu précipité là. Frankie de Jong. Voilà, passe qui va directement en touche. Idrissa Gueye. Il file seul vers le but. Oh, c'est encore chaud. Et le but. Oh, est-ce que quelqu'un a vu le gardien sur cette action? Le ralenti de l'action, on voit d'abord qu'il élimine le défenseur. Ensuite, on a droit à un bel exploit individuel avec énormément de sang-froid pour éliminer le gardien. FC Barcelone qui voit son adversaire prendre l'avantage. Une bonne phase de conservation là, en attendant d'aller chercher l'action qui permettrait d'égaliser. Sergio Busquets encore. Ousmane Dembélé. Sergio Busquets. Frankie de Jong. Oh, superbe ce tac à un endroit crucial. Muskin. Ah oui, le bon ballon là. Frankie de Jong. Pour Coutinho. Griezmann. Messi qui a manqué sa passe et qui donne le ballon à l'adversaire. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Oui, bien donné, cette passe en profondeur. Ouais, ça fait 3 buts personnels pour lui maintenant. On va en rester là pour cette première période, mais c'est déjà pas mal. 4 buts à 2. On a vu beaucoup de buts. Le match de Neymar, les statistiques personnelles du Brésilien. Il est bon aujourd'hui à Pierre. On l'a vu, il a beaucoup tenté dans l'ensemble, il avait envie de créer le danger, et c'est ça qu'on attend de lui. Hein. Donc il y va, et il tente à chaque occasion. Normal qu'il ait marqué. Le Barça qui court après le score alors que débute cette seconde période. Avec De Jong. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Oui, bien fait ça. Florenzi. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Neymar et le gardien qui s'empare du ballon. Essayer de vite relancer son équipe. Le ballon perdu un peu bêtement par Griezmann. Neymar qui ne lâche pas le porteur du ballon. Antoine Griezmann. Barcelone qui obtient le coup franc. Avec De Jong. Ousmane Dembélé. Ouais, beau tacle dans sa propre surface. Ah ouais, c'est bien fait ça. Il y avait peut-être une faute, mais le PSG qui bénéficie de l'avantage laissé par l'arbitre. Allez, occasion pour Neymar. Oh, quel but! Oh, quel but! Incroyable! Quel geste magnifique!
il va faire le tour du monde. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. Kylian Mbappé. Mbappé en bonne position. Bien repoussé par la défense. Oh, la nouvelle occasion. Oh, qu'est-ce qu'il a voulu faire là? Et en tout cas, il s'est raté. Ah non, le ballon est perdu. Avec De Jong. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Ah non, la passe en profondeur qui est interceptée. Il était bien placé, le défenseur. Voilà, c'est chaud avec Messi. Ah, il aurait dû retarder son appel. Griezmann. Ouais, les Parisiens qui ont la balle maintenant. Bien récupéré, bien joué. Oui, ça s'est donné comme il faut. Excellente intervention. Sergio Busquets. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. La défense qui n'est pas très en place, hein, me semble-t-il. Le Barça qui... Oh, le bon ballon pour Griezmann. Bernat. Mbappé. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Ah, il tente un tacle glissé. Bon, attention, c'est pas fini. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Non, ils n'iront pas plus loin sur cette action. Bon, finalement, ce match n'est pas le bras de fer annoncé et attendu. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on s'attendait à un match fermé et serré. Et puis là, c'est tout le contraire. Les joueurs doivent être les premiers surpris. Hein. Ah, c'est propre, ça. Ah, il a déjà été averti, hein. L'arbitre le sait. Ah, attention, il ferait bien de se tenir à carreau parce qu'il a déjà un jaune. Il doit être le feu, là. Allez, à cette distance, ça se tente. C'est contré, hein, par le défenseur, dommage. Un petit peu piégé, hein, sous pression, là. Et ce ballon qui est récupéré. Bien joué, Neymar, il est passé. Tout seul face au gardien. Attention à nouveau, la cage complètement abandonnée par le gardien. Alors pour marquer, c'était plus facile, c'est sûr. Salut à toutes et tous, bienvenue à Liverpool dans ce stade d'Anfield. Pierre Ménès et moi-même, Hervé Matou, nous allons vous commenter ce match. Le Liverpool FC affronte le FC Barcelone. Oui, oui, Hervé, pour eux ça va de plus en plus mal. Cette équipe n'avance pas, ne crée pas de danger, ne montre pas vraiment d'envie, pas d'intensité. Ils vont pouvoir jouer la touche. Lionel Messi avec De Jong. Messi
Il remporte son duel. Ah, il est facile. Petite démonstration de possession. Il glisse ce ballon en profondeur. Mais il aime bien ces situations, ça là. Oh, c'est pas fini, attention. Et le but, l'ouverture du score. Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. Ah, c'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Lionel Messi, Coutinho. Ballon récupéré par Liverpool. Et anticipé, le ballon là qui change de possession. Léo Messi, balle au pied. Sergio Busquets. Philippe Coutinho. Non, elle est interceptée cette passe. Coutinho. On va pouvoir relancer maintenant. C'est parfaitement fait. Les joueurs de Liverpool qui continuent leur action. L'arbitre a fait signe de jouer. Et Mets qui perd le ballon. Lionel Messi. Ouais, il avait tout compris là, le défenseur, bien vu. Allez, il va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. Il est bien placé, il peut centrer. Et le but pour Liverpool. Le but pour les Reds. Qui compte maintenant 2 buts d'avance. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. La bonne passe de Mané. Il est parti trop tôt, dommage. De Jong. Messi. Il est de faute. Il n'y a pas de maîtrise dans ce geste. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Andrew Robertson. Ah, très bonne anticipation sur ce ballon. Frankie de Jong. Avec Dembélé. Sergio Busquets. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Oh, s'il marque, il relance le match. Il aurait dû retarder son appel. Ouais, joli coup d'œil du Firmino. Belle passe en profondeur. Attention, ça peut faire but. Oh, le but est ouvert. Ouais, il faudra attendre pour le coup du chapeau. Cette fois-ci, ça n'a pas marché. Mais bon, il est en confiance. Hein, donc. Sergio Busquets. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Qui était là pour intercepter cette passe. Frankie de Jong. Allez, le but de l'espoir peut-être. Ah, il a trouvé son partenaire lancé. Ah oui, la bonne passe. Ça va, attention, attention, ça là, danger. Ça fait but et c'est signé Mohamed Salah. Ah, c'est le genre de situation qu'il aime bien. Une première période qui vire à la démonstration. Fabinho. Firmino. Firmino, toujours balle au pied. Ouais, c'est bien défendu. Et du coup, le ballon qui sort. Ouais, ça presse haut. Attention à ce ballon. Ils ne sont pas contents, les supporters. Ils estiment que ça méritait un péno. Je pense qu'il a voulu faire cette deux manées là, mais il s'est complètement raté. Il a donné le ballon à l'adversaire. Le ballon qui sort en touche pour Liverpool. Et Mets qui perd le ballon.
encore un bon ballon. Antoine Griezmann. Les Blaugrana qui ont le ballon. Messi qui a manqué sa passe et qui donne le ballon à l'adversaire. Ousmane Dembélé. Ouais, bien donné ce ballon. Attention, le tacle dans une zone dangereuse. Et les supporters qui font savoir assez bruyamment à l'arbitre qu'il aurait dû accorder un pénalty à leur équipe. Sadio Mané. Il y avait Sadio Mané. C'est un centre pour le Sénégalais. Le ballon est perdu sur cette bonne intervention. Avec De Jong. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Un bon ballon à jouer pour les Reds. Pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon. Messi à Griezmann. Mi-temps donc ici avec donc. Le Barça qui court après le score alors que débute cette seconde période. Cadic qui a faute, coup franc pour le Barça. Ballon perdu par le Barça. Mané. Ah, il a coupé leur élan au tout dernier moment. Bien joué. Léo Messi bat le pied. Oh, il était temps d'intervenir là. Frankie de Jong. Ouais, lumineuse cette passe. Il va y aller. Ter Stegen qui n'a pas capté le ballon. Lionel Messi avec Jordi Alba. Mauvais choix pour Jordi Alba qui perd le contrôle du ballon, qui le donne à l'adversaire. Messi qui perd le ballon. Attention à la contre-attaque. Non, 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 il y a position de hors-jeu. Sergio Busquets. Antoine Griezmann. Fabinho était là pour récupérer cette passe. C'est un coup franc pour Liverpool. Anderson. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Mohamed Salah en bonne position. Le gardien sauvé par son poteau. Allez, oui, il va y aller. Voilà, nouvelle occasion. Voilà, quelques centimètres de la ligne. Oh, le gardien peut aller lui faire un gros bisou. Ouais, quand même bien tiré au niveau du point de pénalty. C'est repoussé par le gardien. Théo Gomez. Intervention rugueuse, il a repris le ballon. Sadio Mané, le ballon. Eh oui, le but. Le gardien qui était parti aux champignons, je ne sais pas. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Wijnaldum. Lionel Messi. De Jong. Un ballon perdu par le Barça. Salah. La passe de Mohamed Salah. Mais c'est perdu. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Il va falloir l'enrayer, hein, cette contre-attaque, au plus vite, parce que ça va devenir dangereux. Le bon ballon. Il fallait le récupérer, hein, ce ballon. Liverpool qui va bénéficier d'un coup franc. Liverpool qui perd le ballon. C'est récupéré dans le camp de l'adversaire.
Antoine Griezmann. Messi. Ah, il a coupé leur élan au tout dernier moment. Bien joué. Il a débordé la défense. Attention, ce n'est pas terminé. Et ça fait donc 3 buts. Le coup du chapeau pour lui. Ouais, très belle performance de sa part. Rien ne l'arrête aujourd'hui. Ils ont une avance très confortable à l'approche de cette fin de match. Ah, il poursuit son action. Ah, la vilaine faute. Il n'y a pas de maîtrise. Salut tout le monde, du spectacle au programme aujourd'hui avec un match qui va se jouer dans d'excellentes conditions. C'est Hervé Matou qui vous parle, très heureux de vous commenter ce match, d'écouter avec vous les analyses de Pierre Ménès. Ça va se jouer dans une très très belle ambiance, hein, comme souvent dans cette compétition. Mon petit Hervé, merci pour cette intro, merci de m'accueillir à tes côtés. Et je nous verrais bien assister à un grand match de foot aujourd'hui. Il y va tout seul. Oh oui, le but. Non, non, ce ne sera pas validé. L'arbitre assistant a levé son drapeau. Ouais, aucune hésitation. C'est donné sur l'aile. Oh, que c'est bien donné, ça. Ouh, ça, c'était dangereux. Bonne intervention. Ronaldo. Avant de ramasser. Oui, oui, il y a faute là, il y a faute, pas de carton, mais coup franc, ça c'est sûr. Allez, le ballon qui va d'un camp à l'autre. Et il a bien lu le jeu sur cette interception. Et dans ce match, Pierre, on va voir Cristiano Ronaldo face à Lionel Messi. Oui, Cristiano Ronaldo est un joueur qui excelle dans le jeu aérien. Il faudra bien le prendre au marquage sur les coups de pied arrêtés. Quant à Lionel Messi, c'est un joueur qui aime jouer entre les lignes et venir parfois décrocher pour lancer en profondeur un partenaire. Ah, c'est une perte de balle. Coutinho. Sergio Busquets. Coutinho. Ouais, le défenseur qui enraye cette action. Coutinho. Messi. Ousmane Dembélé. Lionel Messi. Et Chiellini qui contre. Les joueurs du Barça opposés à un sérieux adversaire aujourd'hui. Rapport de force assez équilibré. Je pense que ça va se jouer à pas grand-chose. Peut-être sur les coups de pied arrêtés. Coutinho. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Aaron Ramsey. Aaron Ramsey qui cherche en profondeur, bien vu. Oh non, oh, il n'y avait plus que le gardien effacé. Ouais, il s'est un peu désuni au moment de la frappe. Ça manque de concentration, ça. Avec De Jong. Jordi Alba. Lionel Messi. Philippe Coutinho. Ouais, bien joué de la part de Coutinho. Coutinho. Là, il fallait intervenir urgemment. Cristiano Ronaldo. Il s'avance vers la surface. Ter Stegen qui n'a pas capté le ballon. Lionel Messi.
c'est bien donné dans l'espace. Qui n'a pas capté le ballon. Busquets. Oh, bien vu ça. Sergio Busquets. Ah, il n'arrive pas à sortir de leur moitié. Ils ont perdu le ballon. Ouais, il y a faute. Il y a faute. Giorgio Chiellini. Un ballon. Griezmann. De Jong. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Antoine Griezmann. Très bon ballon là pour le Barça. Qui repousse. Ballon toujours en jeu. Ah, il a coupé leur élan au tout dernier moment. Bien joué. Oh, quel arrêt il nous a sorti là quand même. Hein. Ah, il aurait dû retarder son appel. Il a perdu par le Barça. Oui, la faute signalée et sifflée. Giorgio Chiellini. Alexandro. Le long de la ligne de touche. Le Barça va pouvoir repartir. Ils ont repris ce ballon à l'adversaire. Coutinho. Oh, ça peut tout changer s'il marque. Ouais, il repousse, ça joue. Ah, il a trouvé son partenaire lancé. Ça, c'est un bon ballon. Ça, c'est un bon ballon pour Cristiano Ronaldo. Oh, le but! Oh, magnifique! Quelle reprise! Voilà ce qui arrive quand un gardien est omnubilé par le ballon et pas par le jeu. Il ne suffit pas de stopper le premier tir, il faut aussi mettre tes coéquipiers hors de danger, sinon ça se paye cash. Chiellini récupère ce ballon. Sur l'aile, le ballon a été dévié, ça sera une touche. Aaron Ramsey, la passe est interceptée. Ousmane Dembélé, De Jong. Ils reprennent possession du ballon. Il y a une place là pour une contre-attaque. Oh, il s'est ouvert un boulevard. Ah, oh, c'est complètement manqué. En même temps, ils vont en faire des caisses. Bien fait pour lui. Un quatrième arbitre qui indique une minute de temps additionnel. Peut-être l'égalisation. Contrée. La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de 1-0. Comment le Barça aborde cette seconde période. On rappelle qu'ils sont menés au score. Il transmet ce ballon. Coutinho. Ouais, défenseur qui enraye cette action. Ronaldo. Arthur maintenant. Chiellini. Arthur.
Le ballon qui change de possession. Léo Messi, balle au pied. Coutinho, Lionel Messi, Frenkie de Jong avec Busquets. Et une récupération supplémentaire pour lui. Gros match, hein, vraiment. À l'attention à l'éventuelle contre-attaque. Ouais, ça revient pour Dybala. Et la remontée du terrain qui se poursuit. Oh, bien défendu. Ça aurait pu être chaud. Il cherche une solution. Un geste plein de calme, de maîtrise. Bien donné encore une fois. Et les supporters qui font savoir assez bruyamment à l'arbitre qu'il aurait dû accorder un pénalty à leur équipe. Contact. Coutinho. Pour Busquets. Antoine Griezmann. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Ce ballon qui est dégagé. Ça, c'est un ballon perdu par Antoine Griezmann. Alexandro. Ouais, coup franc, bien sûr. Non, elle est interceptée, cette passe. Antoine Griezmann. Coutinho. Ah, il ne s'est pas posé de question, il a dégagé ce ballon. Ah, eh bien, il a fait l'effort, Léo Messi. De Jong. Sergio Busquets. Coutinho. Un ballon perdu par le Barça. Aaron Ramsey. Ballon perdu. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Léo Messi. Griezmann. Messi. Ah ouais, bonne intervention décisive du défenseur sur cette action. Aaron Ramsey. Ouais, bonne sortie du gardien. Ouais, ouais, fallait y aller sur ce ballon. Hein. Antoine Griezmann. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Ah, il redonne à Griezmann. De Jong. Allez, il peut égaliser là. Oh, la bonne intervention dans la surface de réparation. Ce ballon qui est dégagé en touche. Messi. Kelly était là, il a pu intercepter ce ballon. Bernardeschi. Oui, idéalement servi. Attention, oh, l'arbitre qui désigne le point de pénalty. Déjà que la fin de match annonçait compliqué, là je crois que l'affaire est cuite. Hein. Sans trembler, Cristiano Ronaldo. Qu'est-ce qu'il est bien tiré, Hervé, ce pénalty. Regarde-moi ça, la lucarne, c'est imparable. Tous les gardiens te le diront, c'est impossible d'arrêter un péno qui est dans la lune. Allez, alors, ça fait maintenant du but d'écart. Hein. 2-0 au tableau d'affichage. Sergio Busquets. Antoine Griezmann.
Ah, c'est complètement manqué. Bon, en même temps, il veut en faire des caisses. Bien fait pour lui. Aaron Ramsey et Cristiano Ronaldo. Plus que 6 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Eh bien, quel que soit le score final, on peut dire que cette rencontre sera oubliée pour ces joueurs. Je ne sais pas si cette équipe de Barcelone espère encore quoi que ce soit de ce match, mais quoi qu'il arrive, elle n'est que l'ombre d'elle-même aujourd'hui. Allez, allez, ça doit aller au fond, ça. Oh, le ballon sauvé là au tout dernier moment. Oh là là, il ne faut pas la perdre à cet endroit. Griezmann. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel. Jordi Alba. Avec De Jong. Oh, ça, c'est bien joué dans la course. Il a vu l'appel de balle. Oh, il était temps d'intervenir là. Attention, le bon pressing et le match qui s'achève à l'instant. Cette équipe qui n'aura pas... Salut à tous, bienvenue ici à Liverpool, dans le mythique stade d'Anfield. Pierre Ménès et moi-même, nous allons suivre cette rencontre pour vous. Le Liverpool FC contre le FC Barcelone. C'est un régal de commenter ce match avec toi, Hervé, je te jure. Avec De Jong, Sergio Busquets... Les Blaugrana qui ont le ballon. Et le ballon qui change de camp. Le ballon donné par Mohamed Salah. Oh, le but peut-être. Et le but, l'ouverture du score. Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. Ah, c'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Ousmane Dembélé. Ouais, très bon tacle. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Ousmane Dembélé. Jovetic qui perd le ballon. Ouais, il reçoit du soutien. Coutinho. Coutinho. Et il était en position de hors-jeu. Qu'est-ce qu'il a fait le gardien? Il s'est manqué, il y a danger. Oh, le but! Et les deux équipes déjà égalités! Eh ben, dis donc, c'est animé comme début de match. Astrala, on aura déjà un score de tennis à la mi-temps. Ousmane Dembélé. Avec Dembélé. Ballon qui revient dans les pieds des joueurs de Liverpool. Là, c'est récupéré par Jordi Alba. Une bonne séquence de passe de Barcelone. Coutinho. Il pique son ballon. Le gardien qui ne peut que repousser. C'est pas terminé. Ça se termine tranquillement dans les bras du gardien. C'était une belle occasion de but. Hein. C'est dommage, ça aurait mérité un autre sort. Oui, pour ça, il aurait fallu être un peu plus concentré. C'est finalement un match assez équilibré auquel on devrait assister, Pierre. Barça sait que c'est loin d'être joué, qu'il faudra rester concentré et appliqué, mais je pense qu'on va avoir une belle rencontre. Le ballon qui a été contré.
Oh, sacrée frappe! Elle passe pas loin du cadre, hein. Non, non, ça passe même tout près. Dembélé. Coutinho qui perd ce ballon. Messi. Coutinho. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Le Barça qui continue, il y a avantage. Lionel Messi. Il avait tout compris là, le défenseur, bien vu. Ça, c'est un coffre pour Liverpool. Avantage, laissé à Liverpool, ça joue. Renversé complètement de l'autre côté. Sadio Mané. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Messi. Allez, le Barça. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Un ballon perdu par le Barça. Le ballon qui change de possession. Mané. Coutinho. De Messi. Coutinho. Léo Messi. Oh, il passe pas, il s'est fait reprendre. Qui s'est raté en donnant ce ballon à l'adversaire, ça peut lui arriver également. Sergio Busquets. Oh, il lui prend le ballon dans sa moitié de terrain. Salah. Allez, la grosse occasion pour Sadio Mané. Oh, le ciseau extraordinaire. Oui, le ciseau extraordinaire. Oh, on en redemande un début comme ça. Le Barça est mené. Sergio Busquets. Ils construisent, ils font tourner. Allez, on redouble les passes. Il va s'offrir un duel avec le gardien. Oh là-bas, attention, ça continue. C'est ce qu'on appelle la faute à pas de chance. Mais allez, ça va peut-être tourner, hein, si ça se trouve, à la prochaine occasion. Ils égaliseront sur un vieux pointard tout pourri. Avec des stats de possession un peu décevantes pour Liverpool. Mais ça veut dire aussi que cette équipe est la plus solide des deux quand elle n'a pas le ballon. En tout cas, elle mène. Messi. Antoine Griezmann. Coutinho. On attendait autre chose, hein, qu'une sortie de but après cette action. Virgil van Dijk, Fabinho, Jordan Henderson, Sadio Mané. Un bon ballon à jouer pour les Reds. Thiago Alcantara. Sadio Mané. Attention, attention à Firmino. Et le but pour Liverpool. Le but pour les Reds. Qui compte maintenant 2 buts d'avance. Le score, vous le voyez, ça fait 3-1. Sadio Mané. Non, non, ça ne passe pas. Allez, c'est la mi-temps. Mi-temps, 3 buts à 1 au tableau d'affichage. On va voir comment le Barça aborde cette seconde période. Je rappelle qu'ils sont menés au score. Ballon perdu par Mohamed Salah. Griezmann, ah, il va devenir dangereux.
On va mettre ça là. Ouais, coup franc pour Liverpool. Bon, apparemment, la distance ne lui fait pas peur. Après tout, ça se tente. Hein. Elle frappe contrée par le défenseur. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Hein, attention. La défense qui n'est pas très en place, hein, me semble-t-il. Ouais, l'entraîneur pas très content. Et il estime que ses joueurs ont gâché une bonne possibilité de contre-attaque. Mané. Oh, il s'est ouvert un boulevard. Liverpool qui va bénéficier d'un coup franc. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Vous avez quand même super loin du but, non? C'est bien de prendre sa chance, mais bon, le but, c'est quand même de marquer. Ouais, je pense qu'il y avait quand même d'autres options, hein, au lieu de tenter l'exploit. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui a manqué d'inspiration sur ce ballon et qui l'a rendu à l'adversaire. Salah. Ouais, il efface bien son vis-à-vis. Je crois qu'il n'a pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé. Oh, le but que ça aurait été! Oh, quel dommage! Ouais, la volée était superbe. Ouais, touche après un tacle impeccable, hein, soit dit en passant. Frenkie de Jong. Ballon récupéré par Thiago. Lionel Messi. Oh, la bonne occasion! Ah, bien défendu, le danger qui n'est pas totalement écarté. Antoine Griezmann, l'arbitre ouais, qui signale un hors-jeu. Andrew Robertson. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Allez, ça va aller vite sur ce contre. Ça, c'est très bien défendu. Et ballon qui est au fond. C'est vraiment un but collectif, hein, qui est le résultat d'un travail de toute l'équipe. Oui, collectif, parce que tous les joueurs participent au pressing et l'adversaire a fini par craquer. Eric De Jong. Antoine Griezmann. Oh oui, encore une bonne passe. Messi. Une balle d'égalisation. Virgil van Dijk. Sadio Mané. Il s'est ouvert le chemin du but. Et le centre bien négocié par le gardien. Lionel Messi. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Ah, il a bien lu le jeu. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Le contre qui se rapproche du but adverse. Il est sur la trajectoire de ce centre. Mais il doit vite dégager ce ballon. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Mohamed Salah. Oh, Firmino, très bonne position. Liverpool qui perd le ballon. Sergio Busquets. Griezmann. Intervention de Thiago Alcantara qui intercepte. Mané. Ouais, c'est bien joué défensivement. Bien vu. Stegen qui n'a pas capté le ballon. Avec De Jong. Frenkie De Jong. Un ballon perdu par le Barça. Allez, continue Messi. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir.
La contre-offensive, toujours le but adverse qui se rapproche. Ah, quel but et surtout quelle contre-attaque. Ah, la défense était quand même un peu aux fraises sur ce coup-là et ça allait tellement vite. Ouais, c'est pas mal. Le score qui est maintenant de 4 à 2. Décidément, on a des buts aujourd'hui. C'est dévié, ça sera une touche. Ansu Fati. Young. Il fallait le récupérer, hein, ce ballon. Les Reds qui perdent le ballon. Anderson. Le destinataire, c'est pour Salah. C'est déjà la troisième fois qu'il trouve le chemin des filets aujourd'hui. Il ne reste que quelques minutes. Bonjour à tous, nous avons rendez-vous aujourd'hui dans ce stade magnifique qui est l'antre du FC Barcelone. Vous l'attendez cette rencontre, eh bien on va vous la faire vivre. Pierre Ménès et moi, Hervé Matou, avec un immense plaisir, c'est sûr. Le FC Barcelone affronte le Paris Saint-Germain. J'en frémis d'avance, Hervé, et pas que pour ta présence. Léo Messi, balle au pied. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Angel Di Maria. Neymar. Il s'est ouvert le chemin du but. Oh, le tacle. Neymar. Le gardien, c'est pas fini. Et le but. Déjà 1-0. Voilà un match qui commence fort. Ce qui arrive quand un gardien est omnubilé par le ballon et pas par le jeu. Il ne suffit pas de stopper le premier tir, il faut aussi mettre tes coéquipiers en danger, sinon ça se paye cash. C'est le PSG qui mène. Bon, ça c'est bien joué dans la course. Il peut le mettre. Messi, Ansu Fati. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Et l'attaque se termine, ballon dégagé. Ouais, ballon qui sort, c'est très bien défendu. Ousmane Dembélé. Ah, c'est bien fait de la part du défenseur, vraiment très bien joué. Interception de Sergio Busquets. Ah, il a trouvé son partenaire lancé. Il est en bonne position.
Oh, la reprise qui frôle le cadre. Ouais, c'était pas facile à réaliser, mais il a manqué d'un peu de réussite. Le taux qui se resserre autour de Busquets. Sergio Busquets. Messi qui a manqué sa passe et qui donne le ballon à l'adversaire. Lionel Messi. Et Messi. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Il y avait peut-être une faute, mais le PSG qui bénéficie de l'avantage laissé par l'arbitre. Allez, il y a de l'espace devant lui. Hors jeu, André Di Maria, dommage. Ballon perdu par Busquets. Mbappé en bonne position. Et le but! Et le but pour le PSG. Les joueurs parisiens qui portent leur avance à 2 buts dans cette partie. Allez, voilà, ça fait maintenant 2 buts d'écart. 2-0 au tableau d'affichage. Ballon qui sort. Pas bien compris ce qu'il a voulu faire là. Sergio Busquets. Messi. L'occasion pour revenir au score. Le ballon piqué, attention. Un petit peu court ce lob, monsieur. Oh, la torsion était bonne pourtant. Léo Messi. Allez, il peut réduire l'écart là peut-être. Messi. Et il concède le corner. Le corner qui va arriver en plein milieu de la surface. C'est loupé, cette tête ne donnera rien, ça passe très loin du cadre. Ouais, mais il la reprend mal, donc du coup, c'est sans danger pour le gardien. Idriss Agueil. Oh, le défenseur, il n'a rien compris, là. Ah non, je crois que le temps qu'il pige sur quel pied il fallait mettre, là. Ouais, le ballon qui change de camp, magnifique. Avec De Jong. Le PSG qui récupère le ballon. Et ça sort en touche. Kylian Mbappé. Di Maria au second poteau. Oh là là, pas loin du tout ça. Ouais, c'était bien exécuté cette reprise sur le plan technique, mais bon, parfois il faut un peu de réussite, je t'apprends rien. Busquets qui perd ce ballon. Allez, danger certainement avec Kylian Mbappé. Allez, Barça qui va quand même tenter de marquer un but avant la pause. Barcelone qui obtient le coup franc. Messi. Le centre de Jordi Alba. C'est dégagé par Pascal Kipembe. Attention à la contre-attaque. Ce contre qui n'ira pas plus loin. Léo Messi. Akin Young. Messi, c'est le Barça qui marque. Un petit but d'avance donc. Le score est de 2 buts à 1. Mbappé, dans ce genre de situation, difficile de l'arrêter. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Il est perdu par le Barça. Neymar. Attention, il peut centrer là. Kylian Mbappé. Ouais, ça s'arrête là. Bien joué. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Il va falloir l'enrayer, hein, cette contre-attaque. Un ballon piqué, parfaitement dosé. Belle rencontre, hein, score de parité maintenant de 2. PSG qui obtient un coup franc après cette faute. Ouais, ça c'est bien vu. Pablo Sarabia. Oui, le but, oh, quelle est belle. Quelle reprise. Techniquement, c'est parfait, magnifique. Et
Et on revoit ensemble cette petite séance de tiki-taka qui nous amène ce but. La chute a étonné tout le monde, je crois. On pouvait s'attendre à ce qu'il mette une bonne vieille minace de volée. Mais en fait, pas du tout. Frankie de Jong. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Et il redonne le ballon à son équipe avec cette récupération. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Ouais, ballon bien arrêté, bien capté. Une minute, il y aura une minute seulement de temps additionnel. Oh, il fait n'importe quoi sur cette touche. Mbappé. Oh, l'intervention exceptionnelle du gardien. Oh, quel arrêt. Ah, ça, c'est un sacré plongeon, Hervé. L'arrêt du match, peut-être. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Mal joué, mal négocié ce ballon. Et la mi-temps, donc. 5 buts dans ces 45 premières minutes. Les joueurs qui viennent de donner le coup d'envoi de la seconde période. C'est pour l'instant le Paris Saint-Germain qui est devant. Neymar, oh, la classe, elle est à pur. Ah ouais, bien défendu. Ah, la bonne qualité de ses passes. Léo Messi. De Jong. Ouais, ça revient vers Messi. Ouais, ce ballon qui ne donne rien. Pierre, un petit mot peut-être sur la première période de Kylian Mbappé. Il a marqué deux buts qui vont sans doute peser lourd dans la balance. L'entraîneur de l'équipe adverse va devoir trouver la solution car on le sent bien en jambes. Busquets. Frankie de Jong. Alors le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon. Il avait bien lu la trajectoire. Messi. De Jong. Peut-être l'égalisation à la suite de ce corner pour le Barça. Messi qui frappe ce corner, bien parti. Heureusement qu'il a été dévié, sinon c'était au fond. Ouais, il prenait clairement le chemin du but. On va peut-être assister à une contre-attaque. Ouais, attention, là il s'échappe en solitaire. Oh, le grand danger. Oh, il était là, excellente intervention. Ah non, le ballon est perdu. Sergio Busquets. Frankie de Jong. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Ousmane Dembélé. Ansu Fati. Il vient au duel. Ouais, le Paris Saint-Germain peut continuer, avantage. Ah ouais, c'est bien fait ça. Neymar. Il cherche Di Maria. Et c'est un ballon dégagé par Jordi Alba. Il y a de l'espace sur l'aile pour le Barça. Attention, faut pas laisser d'espace comme ça, attention. Et ce ballon qui traîne. Oh, que c'est bien donné ça. Attention, parce que ça peut faire mal. Oh oui, c'est bien défendu. Messi, le PSG, bien organisé, hein, qui a bien subtilisé ce ballon. Oui, il y a faute hein, sur le joueur du Barça, coup franc. Bien joué Mbappé qui récupère ce ballon. Allez, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Il s'est ouvert le chemin du but. Oh, poteau! Oulala! Eh bien non, c'est le gardien qui aura le dernier mot sur cette action. Ouais, l'adversaire était parfaitement lancé, mais le gardien est resté vigilant jusqu'au bout. Angel Di Maria.
Di Maria, occasion de but là pour André Di Maria. Corner, attention à ce coup de pied arrêté. Allez, un petit coup. Le gardien qui repousse ce corner. C'est venu en profondeur. Ah, c'est son troisième aujourd'hui. La défense ne retient pas les leçons. Le troisième but, le hat-trick. Il est en train de nous faire un très grand match. Hein. Ouais. La défense commence à le haïr. Il met la faute n'est pas correcte. Ce tacle, et l'arbitre, à mon avis, va le sanctionner. L'arbitre qui vient un carton jaune à type MB. Messi. Donner à Jordi Alba. Ça presse haut. Attention à ce ballon. Sagaï avec Verratti. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Oh, le ballon qui heurte le poteau. La contre-attaque décolle, la contre-attaque parfaite qui se termine en plus au fond des filets. Ouais, c'est un modèle du genre, vraiment, de la vitesse, du sang-froid. Bravo les gars. Le réalisateur qui nous propose des images de cette contre-attaque. C'est Kylian Mbappé, toujours redoutable à mi-distance. Il le prouve encore. Bon, je crois qu'il n'y a plus vraiment de suspense. Hein. On va aller Maria. Oui, le geste. Il protège son ballon. Oh, le gros exploit personnel, attention. Oh, c'est pas fini, attention. Stegen, la reprise, magnifique. Magnifique but, une reprise parfaitement exécutée. Bah, ce qui arrive quand un gardien est omnubilé par le ballon et pas par le jeu. Il ne suffit pas de stopper le premier tir, il faut aussi mettre tes coéquipiers hors de danger, sinon ça se paye cash. 6-2, le score qui est quand même très très lourd. Un ballon de Messi, c'est intercepté. Ah, il a levé son ballon pour Neymar. Neymar qui continue. Oh, la faute, penalty. Faute dans la surface. Oh, l'entraîneur est foudra, Gervé, les choses risquent de se compliquer encore un peu plus. Et l'arbitre qui n'avait pas le choix sur cette faute et qui aurait même pu donner un carton jaune. Ah, Hervé, il a peut-être déjà estimé que le pénalty suffisait à lui-même. Oh, c'est raté. C'est raté pour Neymar. Pénalty manqué, ça ne fait jamais plaisir et puis ça arrive quand même à tout le monde. Mais là, l'entraîneur n'a pas l'air d'apprécier du tout. Il n'est de qui tarde à venir. Le but de Neymar. Neymar qui marque. Oh, c'est le genre de situation qu'il aime bien. Cette perte de balle, elle leur coûte cher. Ouais, après ça va très vite. Hein. Mais le buteur signe un bel exploit individuel. Ouais, clairement, ce match tourne à leur avantage. Il reste 3 minutes à jouer dans cette rencontre. PSG qui perd ce ballon. Attention, le défenseur est passé au travers. Oh, le ballon qui frappe la transversale. Oh, bien joué Ter Stegen qui remporte ce duel. Il est resté calme sur ses appuis. Tout seul face au gardien. Petit ballon piqué, attention. Oh, c'est encore chaud. Arrêt. Oh, quel arrêt. Un de plus dans ce match. La fin du match, Pierre. Et regardez ces joueurs abattus. Après tous ces mauvais résultats, cette dernière défaite et celle de trop, c'est terminé pour eux. En même temps, ça sert à rien de se lamenter. Ils ont fait preuve de tellement de lacunes durant la saison. Bah, il faut juste se remettre au boulot rapidement et si elle veut se redonner une chance de revenir dans cette division. Il s'est ouvert le chemin du but. Oh, le tac glissé. Dans la surface. Et le gardien, c'est pas fini. Et le but, déjà 1-0.
Voilà un match qui commence fort. Mbappé en bonne position. Et le but pour le PSG. Les joueurs parisiens qui portent leur avant. Léo Messi. Akili Yang. Messi. C'est le Barça qui marque. Un petit but d'avance donc. Le score est de 2 buts à 1. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Un ballon piqué, parfaitement dosé. Ouais, ça c'est bien vu. Pablo Sarabia. Oui, le but, oh qu'elle est belle. Quelle reprise. Techniquement, c'est parfait, magnifique. Ah, c'est son troisième aujourd'hui. La défense.